Alors pour moi, le dog start et le pumping en général, c'était vraiment une révolution. À la base, je viens du surf, après je me suis allé à la wing. Et du coup, j'habite dans le sud, donc des vagues, on n'en a pas souvent. Le vent, ça va, on en a régulièrement, mais c'est pas tous les jours non plus. Donc les jours où c'était flat, on n'avait rien à faire. Et là, depuis que je me suis mis au pumping, au dog start, ben, c'est vraiment cool parce que je peux être tous les jours dans l'eau. S'il y a du vent, ben, je vais naviguer. S'il n'y a pas de vent, je fais du pumping. Des petites vagues, bah soit je pars en beach start et je vais choper de la houle, soit si c'est un peu plus gros, bah je prends le surf foil ou le surf directement. Ça c'est vraiment cool. Alors moi ce que j'aime dans le pumping, c'est la partie défi. À n'importe quel niveau, on peut se lancer des petits challenges. Par exemple, quand on débute, bah forcément ça va être de voler. Après, ça peut être des spots, arriver à partir d'un rocher, de la plage en beach start, ou même des petites figures. Moi j'adore me mettre assis, faire des petits one foot, des gros carves. Ça c'est vraiment, on se lasse jamais en fait de faire du pumping. Ça pourrait paraître un peu ennuyeux, mais pas du tout.